Bleu. Groggy, quoi. Oh là là, je commence à faire. Bon, bah, merci pour le show, hein, ça va être difficile de reprendre. On en était où ? On en était à Passe Sacias, hein, et ensuite on a mangé du pain. Mais beaucoup de gens aiment bien gérer leur système. Creusons un petit peu plus l'affaire. Ouais, je casse un peu. La transition est très très dure, c'est moi-même. Alors, la friction. Alors, si on regarde ce que font généralement des équipes de développement et pour amener un projet en production, il y a plein d'étapes. J'ai écrit toute petite pour que vous ne puissiez pas les lire. Et ce qui est plus intéressant, c'est que toutes ces étapes, tout comme provisionner les bases de données, les serveurs d'app, les load balancers, les firewalls et compagnie, c'est pas nécessairement des jobs très intéressants parce qu'ils sont ardus, mais quand même toujours un peu les mêmes. Et surtout, ils sont faits conjointement entre les équipes de dev et l'IT, ce qui crée énormément de friction. L'équipe de dev connaît les requirements, c'est de quoi ils ont besoin, connaît les besoins, excuse-moi Noël. Et puis les équipes IT doivent les mettre en œuvre. Les équipes IT, les équipes de système d'information, voilà, comme ça on va finir à 11h15. Et voilà, donc ça amène beaucoup de friction. Et la friction, c'est la cause de beaucoup de maux. Alors, voici les forces en présence. À ma gauche, je trouve Emmanuel Bernard. Non, mais c'est il y a quelques années. Hein. Et à ma droite, le sysadmin typique. Creusons un peu. Ouais, alors là, j'ai raté ma slide. Hein. Il y a un petit problème technique. Le développeur, ses intérêts, ses hobbies, c'est toujours étudier les nouveaux frameworks, les nouveaux langages, c'est tester les nouveaux trucs. Le nouveau quadriciel, exactement. Et mettre tout ça dans l'application de production. Donc en gros, on va à DevOps, on regarde les présentations sur Ceylon, et puis le lendemain, on se dit, tiens, je vais mettre un petit peu de Ceylon dans mon app en production. L'intérêt du sysadmin en général, il est différent. Il est plutôt de ne pas se faire biper à 2h du matin parce que l'application s'est plantée. Ça, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est pas de se faire biper à 4h du matin. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des focus très différents. C'est pour ça qu'on a vraiment cette friction. J'ai l'air un petit peu de me moquer, mais c'est vrai que les développeurs veulent essayer les nouveaux trucs très rapidement, alors que l'IT, leur mission qui leur est donnée par le CIO, c'est très simple, le directeur du système d'information, c'est de s'assurer que l'infrastructure est solide, ne va jamais tomber, c'est les fondations de la société. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui est bizarre et l'autre pas, les deux sont bizarres, mais pour d'autres raisons. Alors, à quoi sert l'IT ? Ça en vient à la discussion qu'on avait avant. Ça sert au business, on l'oublie souvent, on pense que ça sert à apprendre plein de nouvelles technologies, à installer Debian et ainsi de suite, mais ça sert au business, soit on veut gagner plus d'argent, soit on veut en dépenser moins, soit on veut gagner en compétitivité en offrant des services qu'un compétiteur n'offre pas, mais c'est vraiment assez basique la raison pour laquelle on fait de l'IT. Et donc, généralement, le flow théorique, hein, c'est j'ai un besoin business, je fais une spec, je l'implémente, je la déploie et en voiture Simone. C'est assez basique. Quand on regarde ce qui se passe en pratique, en général, il y a un type qui réfléchit pendant 15 secondes, c'est le CEO, c'est le directeur, qui dit bah tiens, il faudrait qu'on fasse plus de pognon. Ensuite, il y a une équipe de 4 qui pendant 2 semaines se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça. Et ils se disent bah, on pourrait faire une application de commande en ligne, hein, un e-commerce pour les franglais. Et ensuite, on a une équipe de plein d'aliens qui, pendant 18 mois, vont réfléchir à est-ce qu'il me faut de l'AMD, de l'Intel, est-ce que je mets HTTPD ou peut-être ModeGK, ModeProxy, Nginx, je sais pas. Et puis quel langage on va prendre, du JRuby, est-ce qu'on met du LAMQP, du HornetQ, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on se perd souvent, exact, et l'interface graphique, quel framework, Struts ou pas Struts, telle est la question. Voilà. Donc, on finit en général avec ce genre de diagramme. Ah, c'est toi qui l'as acheté. Ah oui, alors 119 millions, hein, c'est voilà. Moi, je l'ai copié. Hein. Et donc, c'est souvent un petit peu le genre de situation où on s'enferme dans des gros problèmes techniques, philosophiques, alors que le besoin de base était finalement assez simple. Alors, passons cette parenthèse.
Mais j'ai vraiment besoin du cloud, parce que c'est génial, on nous promet beaucoup plus d'efficacité, on ne va plus pouvoir parler à son IT guy, on va pouvoir directement développer des applications. C'est le syndrome de la cabane au fond du jardin de notre chanteur Francis Cabrel. Et on voit qu'il y a des changements importants, il y a toujours des changements importants, mais en ce moment, on remarque quand même qu'il y a une sorte de plusieurs vagues qui agissent en même temps. On parle beaucoup de social, on parle beaucoup d'applications mobiles, on parle beaucoup de big data, de consumérisation de l'IT, c'est-à-dire de vouloir consommer, que les sociétés consomment de plus en plus des systèmes d'information comme des clients finaux le feraient. Donc tout ça a beaucoup d'impact. On parle aussi du BYOD, qui est Bring Your Own Device. Donc dans plus en plus d'entreprises, on ne peut plus simplement arriver avec la flotte de BlackBerry et demander que ce soit utilisé. Les gens utilisent leur téléphone au quotidien, ils ne veulent pas avoir de téléphone, donc il faut que les applications tournent sur n'importe quel équipement. Donc si on regarde quelques statistiques, ça c'est par exemple, c'est le ratio entre, enfin pas le ratio, c'est le nombre de smartphones ou de tablettes par rapport au nombre de desktops et de notebooks, donc de PC en gros par opposition au portable. Et on voit qu'en 2011, il y a eu un point d'inflexion et qu'il y a désormais plus de devices de ce type-là, ou d'iPad, ou de Samsung S3 que vous allez trouver dans votre sac, que finalement de MacBook Air ou autre. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez les chiffres d'Apple, les revenus qu'ils obtiennent de la vente d'ordinateurs est devenu extrêmement réduite par rapport à iTunes, au téléphone et autres. Ça reste beaucoup plus que ça. Oui, mais par rapport... Le ratio est super intéressant parce que Apple a été connu pour leurs ordinateurs et aujourd'hui, c'est à se demander si c'est encore quelque chose qui les garde éveillés la nuit, parce que c'est un business qui tourne, hein, c'est clair. Ouais, c'est 10%, je ne sais plus combien c'est, mais effectivement, c'est devenu... C'est pas que c'est 60% ou 80%, c'est devenu très inférieur à tout le reste. Ça, c'est les pourcentages de smartphones par opposition aux dumb phones, donc les téléphones ordinateurs par rapport... Il m'a mis un complexe, maintenant je me sens obligé de traduire tous les mots évidents. Par rapport aux téléphones tout bêtes, hein, on voit que ça, c'est les États-Unis en bleu, donc ça nous met au premier trimestre 2011, en orange l'Europe, ça nous met en 2010, mi-2010, et le Japon, c'était carrément avant, c'était en 2008. Donc en fait, on passe le point d'inflexion qui fait qu'aujourd'hui, on a tous, enfin pas tous, mais tous les geeks qui sont ici en ont un, mais de plus en plus, on a affaire à des équipements qui peuvent aller qui peuvent accéder à toutes les sources d'informations qu'il y a sur Internet, et pas simplement à téléphoner et à se réveiller le matin. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est le pourcentage de trafic qui provient de téléphones comme des iPhones ou autres. Sur Pandora en vert, Twitter en brun et Facebook en bleu. Et ça, c'est pas le 18e siècle, hein, c'est 2008. On voit que c'est 1%, 5%. C'était même pas le cas pour Twitter, puisqu'ils sont nés après. Non, ils sont pas nés après, mais j'ai pas les stats. Et on voit que, par exemple, pour Pandora, c'est 60% aujourd'hui des accès qui sont sur des équipements mobiles. Donc il y a complètement un déplacement de la charge sur les équipements mobiles. Un shift, on serait tenté de dire. Donc si on regarde un petit peu le nombre d'équipements qui vont accéder à ces sources d'informations, vous faites un site web par exemple, ou un logiciel, enfin un site par exemple qui donne des nouvelles, des news, je serais tenté de dire. Et à l'époque des mainframes, je ne pense pas que vous alliez fournir un tel service, mais on regarde au niveau des PC. Je suis désolé au fond, mais ils sont en train de me ruiner ma présentation. Bon, en fait, on se rend compte que les équipements qui vont faire des requêtes sur ces serveurs est en train d'exploser. Même si on n'a pas 40 milliards d'habitants sur la planète, en fait, les équipements qui vont être utilisés pour créer de la charge et faire des requêtes sur ces systèmes d'information
vont augmenter. À l'époque des PC, on comptait en centaines de millions les équipements, en milliards d'unités avec l'Internet et les desktops. Maintenant, avec les équipements mobiles, on parle d'unités de 10 milliards d'unités, parce qu'on a tous un téléphone, enfin on n'a pas tous, mais on a de plus en plus un téléphone, un iPad. On est toujours en train de faire des requêtes pour n'importe quoi. Donc on a une vraie explosion des requêtes. Donc comment gérer cette croissance ? Moi, mon sentiment, c'est qu'on va avoir affaire à de plus en plus d'applications dans les prochaines années. Alors, je ne sais pas si c'est 2 fois plus, si c'est 10 fois plus, peu importe, mais les besoins de différenciation vont être énormes. Prenez simplement le mobile aujourd'hui. De plus en plus de sociétés aujourd'hui se voient faire de nouvelles applications pour que simplement des solutions existantes soient disponibles sur le téléphone. Parfois, c'est des offres réduites, parfois c'est exactement l'équivalent, mais on va réimplémenter certaines applications, ou en tout cas fournir des front-end pour s'assurer que ces services soient accessibles depuis des téléphones, par exemple. Donc ça crée énormément de nouvelles applications. Comment est-ce qu'on va gérer cette croissance ? Alors, la première option, c'est d'engager 10 fois plus de développeurs. Alors peut-être c'est possible pour certaines entreprises qui ont beaucoup d'argent, mais au niveau d'un État, au niveau macroéconomique, évidemment, on ne va pas former 10 fois plus de développeurs. On pourrait payer 10 fois moins les développeurs, ça c'est aussi une option. Si vous êtes ouvert à cette idée-là, veuillez me contacter, on engage. voilà, je ne pense pas que ça va marcher très bien. La dernière option, c'est d'être 10 fois plus productif. Ça paraît quand même aussi extrême d'être 10 fois plus productif. Mais il y a peut-être des éléments de réponse. Alors, je pense que parmi les solutions, j'en propose 2, elles sont partielles, il y a probablement d'autres choses à faire. La première, c'est de valoriser l'échec. La deuxième, c'est d'augmenter la productivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de valoriser l'échec ? Il faut savoir qu'un grand nombre de projets échouent. Ça ne veut pas dire que, donc un quart à peu près, ça dépend des études qui sont faites, on dit qu'ils échouent. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 75% qui réussissent, ça veut dire qu'il y en a 75% qui n'échouent pas. Donc, il y en a qui sont un peu dans la zone grise. On peut considérer qu'il y en a un quart qui n'échouent pas, enfin qui réussissent. L'échec, c'est mal. C'est bien connu. Alors, ce qu'on voit souvent, vous l'avez probablement vu, moi je l'ai vu à l'œuvre, j'ai même fait partie de ça par moment, on force le succès. Alors, on va augmenter le budget, on va étendre les délais, on va peut-être réduire les fonctionnalités, on va réduire les attentes. Bref, on avait une idée de départ, on va complètement la transformer pour qu'à la fin on va se dire « on a bien réussi, hein, c'était un bon coup là, ce projet. » C'est une belle réussite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'au contraire, si on veut faire face à cette vague de nouveaux projets, il nous faut augmenter le taux d'échec. Parce que si on doit développer 10 fois plus d'applications, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 100% des idées que l'on aura vont être de bonnes idées ? Probablement pas, ça se saurait. Et est-ce qu'il est toujours possible de le savoir à l'avance ? Ben non, évidemment, la théorie, comme dans les bouquins, c'est marqué, on va faire des études de marché, on va poser plein de questions, mais souvent on n'a pas le temps, parfois on ne sait pas faire, et puis des fois il y a simplement des services qui sont suffisamment novateurs pour qu'on ne sache pas, et les gens, quand on leur pose la question, ils vont vous donner potentiellement la mauvaise réponse, parce qu'ils ne savent pas forcément ce dont ils ont besoin. Donc, si une idée est mauvaise, ou si on n'est pas capable de l'implémenter, on a peut-être meilleur temps de s'assurer qu'on se plante assez rapidement avant d'avoir investi trop de temps. C'est ce qu'on appelle le fail faster en British. Donc une méthodologie qui vise à provoquer l'échec avec le moins de ressources possible et le plus rapidement possible. Je vous conseille la lecture de ce lien ici. Les slides seront en ligne, donc tant mieux. J'ai fait exprès qu'ils soient petits, comme ça vous n'allez pas vous amuser en ligne maintenant. Mais c'est une présentation qui est très bien écrite, qui est très amusante et qui décrit ça avec un petit peu plus de contenu, mais l'idée est là et est très très bonne. Donc, le fail faster, fail smaller, comment ça fonctionne ? Schématiquement, hein, c'est pas une méthodologie ISO 9000, mais en gros, si on a 8 idées, actuellement, on les passe dans la moulinette développement IT, et à la sortie, on se retrouve avec un projet qui s'est planté, 2 qui fonctionnent nouilles, et 1 qui réussit, et voilà ce qu'on a pu produire. L'idée, ça serait plutôt d'avoir une méthode de travail où on va allouer beaucoup moins de ressources, on va être beaucoup plus rapide, et on va travailler sur ces 8 idées, et peut-être on va mettre un développeur, 2 développeurs, et on va faire une version extrêmement basique.
Souvent, le basique est suffisant pour tester si c'est une bonne solution ou pas. Et puis, on ne va pas dire qu'il y en a la moitié qui sont so-so. On va simplement virer tout ce qui n'est pas bon et on garde que ce qui est bon. Et donc ça, c'est le fail faster. On le voit de plus en plus. Il faut savoir que dans le cloud, ça devient extrêmement intéressant d'utiliser ce genre de méthodologie. Parce que quand vous faites du logiciel traditionnel, vous n'allez pas pouvoir pousser du logiciel toutes les semaines chez votre client. Si vous arrivez à lui faire mettre à jour du logiciel tous les 9 mois, vous êtes déjà chanceux. Donc, vous allez essayer de limiter le nombre de releases. Quand vous êtes dans le cloud, vous avez la possibilité de pousser des micro-releases, peut-être toutes les semaines ou même plus fréquemment, et de mesurer en temps réel, en mettant des sondes dans votre logiciel, si la modification que vous avez apportée est bénéfique ou n'est pas bénéfique. Par exemple, si vous changez la façon dont la façon dont vous achetez vos livres sur Amazon se passe, est-ce que ça, tout d'un coup, vous passez peut-être de 45 secondes la transaction à 1 minute 30 ? Alors, vous pouvez passer 2 semaines à faire un PhD ou un doctorat sur pourquoi est-ce que ça prend plus de temps, pourquoi ça ne fonctionne pas, ou alors vous pouvez simplement dire on enlève, on remet comme avant et on verra quel autre changement pourrait être apporté. Donc, c'est une méthode beaucoup plus agressive en termes de correction et d'amélioration. Donc, la première solution, c'est d'essayer de faire plus d'échecs dans vos projets. C'est très très important. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on entend suffisamment. Et évidemment, ensuite, c'est d'augmenter la productivité. Si on fait juste plus d'échecs, ben, ça va pas aller. Alors, le problème avec ces petits projets, essayer d'avoir des micro-teams qui vont travailler sur des micro-projets, c'est que si l'énergie nécessaire pour créer un nouveau projet, obtenir une infrastructure de développement, de déploiement, prend toujours le même temps, c'est-à-dire si vous avez besoin de prévenir votre équipe d'IT 3 mois à l'avance, vous n'allez pas monter en charge. Donc il vous faut avoir des processus et des outils derrière qui sont capables de gérer cet afflux de nouveaux projets. Et donc ça, c'est l'idée des PaaS, des plateformes as a service, c'est de vous accompagner, de supprimer la friction qui existe avec l'IT et de vous permettre d'être très très rapidement efficace sur de nouveaux développements et de ne pas avoir à vous soucier de ces problématiques-là. Alors, je pense qu'il est temps de reprendre le pouvoir, je ne suis pas le seul de cet avis. Voilà. Alors je suis un petit peu en retard, hein. Ceux qui étaient à DevOps l'ont peut-être déjà vu. J'ai juste dû changer un slogan, vous imaginerez pourquoi. Alors celui-là était facile, Monsieur Poutou aussi. À l'IT de payer leur complexité, nos vies valent plus que leurs serveurs, ça c'est vrai. Alors il n'y a rien de mieux à faire, Monsieur Hollande. Hein. Le changement c'est maintenant, ça j'ai trouvé que c'était parfait. Cheminade, un monde sur Mars sans IT ni serveur, ça c'est bien. Alors bon, ça c'est un peu plus polémique, hein. Certains retrouveront une autre phrase, les claviers aux développeurs et non pas à l'IT. Voilà, oui, non mais alors voilà, moi c'est là qu'il faut savoir se censurer en fait. Comment faire PaaS? Bon, j'ai déjà parlé beaucoup de ça, mais en gros, avant le PaaS, votre interface, c'est une interface humaine, c'est le type de l'IT, et vous allez typiquement demander à l'IT, pourriez-vous me donner un serveur? J'aimerais tel serveur d'application installé dessus, faudrait patcher mon serveur parce que ça ne marche pas avec mon driver, je pourrais avoir un snapshot de ma base de données, est-ce que je pourrais avoir un nouveau répertoire guide? Donc, votre interface, ça va être l'IT à laquelle vous allez demander toutes ces actions. Ça peut prendre un certain temps. Avec un PaaS, finalement, vous changez d'interlocuteur, c'est plus l'IT à laquelle vous parlez, c'est un portail PaaS, vous allez créer un nouveau compte, vous allez créer un répertoire guide, créer des jobs de test, de build, vous allez déployer votre application. Donc ça va être des interactions qui seront beaucoup plus axées sur les problèmes que vous devez résoudre, et surtout, la latence n'existe pas. C'est-à-dire qu'au moment où vous demandez une chose, vous l'obtenez, tout simplement parce que c'est complètement automatisé derrière. Alors, ça c'est la partie propagande, mais beaucoup de PaaS offrent des fonctionnalités similaires à les concepts en tout cas, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un ensemble de services de back-end tels que le messaging, l'identity management et autres qui vont pouvoir être utilisés par vos applications. Et ensuite,
Chez CloudBees, on a une partie développement, une partie déploiement. Donc là, c'est là où tournent vos applications et vos bases de données, par exemple. Donc c'est ce qui va assurer, par exemple, le failover. Si une machine se crash, la montée en charge, ça faisait besoin de plus de ressources. C'est la partie run, comme on l'appelle. Et ensuite, vous avez la partie dev chez nous, qui est là où vous allez faire du build, du test. C'est basé sur Jenkins. Donc ça, c'est, vous allez stocker vos répertoires de code et autres, et ensuite vous allez pouvoir déployer de l'un à l'autre. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et ensuite, ce qu'on voit souvent chez les fournisseurs de PaaS, c'est un écosystème de partenaires qui vont étendre les fonctionnalités de base. C'est un petit peu la même chose qu'avec le middleware traditionnel et les systèmes d'exploitation. Vous n'allez pas avoir un hub logique qui va fournir toutes les solutions possibles autour. Ils vont fournir un certain domaine fonctionnel. Puis après, vous aurez des vendeurs qui fournissent des solutions très spécialisées. C'est la même chose dans le PaaS. Aucun fournisseur de PaaS va vous fournir toutes les fonctionnalités possibles dont vous aurez besoin. Mais il y a des solutions spécifiques comme des bases de données NoSQL ou bien des New Relic pour du management ou Sonar pour d'analyse de code et ainsi de suite qui vont être intégrées. Et l'avantage des solutions de ce type, c'est que ce n'est pas vous qui allez faire l'intégration. Quand vous rajoutez de nouveaux outils aujourd'hui dans votre environnement, vous allez être celui qui fait l'intégration, qui s'assure que tout est bien connecté, tout est bien à jour et bien compatible. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans des solutions de type PaaS, puisque cette intégration est faite et fournie par le vendeur. Voilà. J'aimerais que vous puissiez regarder ma superbe animation. Je me suis donné beaucoup de peine pour ça. Voilà. C'est un métier, hein. Alors, est-ce que cela fonctionne? Alors, je vais prendre un exemple pour en venir au fait. Lose-It, les fêtes. Lose-It, c'est un client, application mobile. Ils ont à peu près 12 millions d'utilisateurs. Ils font jusqu'à 25 000 transactions minutes. Sur CloudBees, ils monitorent en temps réel leur activité, ils adaptent leur développement selon ce qu'ils mesurent sur la plateforme. Donc c'est vraiment l'application mobile avec un back-end SaaS traditionnel, je dirais, ou moderne, mais état de l'art. Et alors comment est-ce qu'ils font ça? On se rend compte que c'est 4 employés, 2 développeurs, 2 marketing. Donc, et 0 IT, 0 opération. Et ce genre de productivité n'était pas possible il y a seulement 5 ans, ou même 3 ans peut-être. C'est-à-dire qu'en fournissant un environnement où on ne doit pas se soucier d'IT, de développement et autres, on arrive à des niveaux d'efficacité qui sont extrêmes. Ces 4 personnes, quand elles se réveillent le matin, il y en a 2 qui réfléchissent à marketer leurs produits et 2 qui réfléchissent à quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'ils veulent implémenter. C'est tout. Ils passent aucun temps à savoir comment ils vont faire ça, sur quel serveur, s'ils ont plus de demandes de charge, s'ils doivent faire des mises à jour. C'est purement du fonctionnel. Donc, quand on voit ça, et parfois j'entends des commentaires du type « moi je suis pas très cloud », c'est sympa, mais nous on pourra pas parce qu'on est vachement différents. C'est possible. J'entends aussi que le cloud n'est pas sûr, que ce n'est pas stable. Et moi je crois que souvent ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on prend la Bible de 900 pages sur la sécurité informatique, la Bible de 900 pages sur comment bien gérer son système d'information. 5 minutes. Et on compare ça au cloud. Et on se dit, ah, voyez, page 333, il y a un truc que vous ne faites pas. Moi je crois que ce qu'il faut faire, c'est comparer votre IT actuel au cloud et voir qui gagne. Je ne suis pas certain que vous implémentiez les 9 pages de guidelines de sécurité. Et surtout, la vraie question pour moi n'est pas tellement si vous implémentez les 900 pages, mais imaginez que vous êtes Weight Watcher, vous savez ceux qui ont une mesure de poids, puis vous avez une société comme Lose-It qui débarque, et ils sont 4 gars, 4 punks qui développent leur truc avec 12 millions de clients. Ça va être difficile de faire plus léger quand même. Donc là, je pense qu'il y aura un effet mécanique dans le cloud. Quand il y aura un Lose-It qui viendra dans votre marché avec ce niveau d'efficacité vous concurrencer, je pense que ça va aider un certain nombre de personnes à réfléchir au cloud de manière légèrement différente. Donc mon conseil, c'est devenez ce Lose-It avant que quelqu'un d'autre ne le devienne. Voilà, on m'a dit qu'il me restait 45 secondes. Comment je vais vous dire ça? Oui, alors, on en a déjà parlé avant. Hein. Mais si on fait une accélération, prévision météo en 2020, ça peut être 2030, 2015, peu importe,
tout projet IT sera, à mon avis, de nouveau, disclaimers, c'est mon opinion, soit SaaS, soit PaaS. Soit vous trouvez ce qu'il vous faut dans le cloud et vous l'utilisez, pas besoin de s'énerver plus que ça, soit vous ne trouvez pas, vous le développez, mais vous n'allez pas toucher des serveurs pour le faire, vous utilisez un PaaS pour le faire. Les systèmes d'exploitation, prévision numéro 38, les systèmes d'exploitation n'intéresseront plus grand monde. Je pense que ça va être un des éléments qui va chambouler énormément l'IT, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez Salesforce, ou quand vous utilisez CloudBees, ou Google App Engine, ou OpenShift, ou Cloud Foundry, peu importe, en fait, vous ne voyez pas le système d'exploitation. Parce que vous, en tant que développeur, vous vous intéressez aux API qui vous sont fournis, et ça s'arrête là. Et donc, les operating systems, si vous demandez aux vendeurs de PaaS, ils utilisent en général ce qu'on appelle un just enough operating system, donc vraiment un core minimal, avec des fonctions très réduites. Ils veulent que ce soit très simple, très solide, et c'est tout. Donc on n'en est pas à penser, est-ce que Internet Explorer fait partie du système d'exploitation ? C'est vraiment très très basique. Donc il y aura, quand on observe que les écosystèmes business de grands vendeurs, comme par exemple Microsoft, mais il y en a d'autres également, sont basés autour du système d'exploitation auquel on met d'autres couches, des offices et autres, ça va être évidemment un changement potentiellement apocalyptique. Le middleware également, je pense qu'on est en train de quitter la notion actuelle de middleware. Le middleware tel qu'il est perçu aujourd'hui, c'est vraiment un logiciel avec lequel on interagit. On est en train de se déplacer vers des API, vers des services qu'on consomme. Alors évidemment, c'est toujours du middleware dessous, c'est un petit peu comme quand Salesforce, ils disent « no software ». C'est pas de la mélasse derrière, ça reste du software. Mais vous, vous n'interagissez plus avec du software quand vous êtes un utilisateur de Salesforce, au même titre que quand vous utiliserez du PaaS, vous regarderez des API, vous penserez à des services qui seront accessibles à travers d'interfaces, des interfaces par exemple, mais vous ne serez plus celui qui devra réfléchir à quel serveur d'application, quelle version, quel patch et autres. Tout ça sera de la vieille histoire. Et puis on en a parlé avant, le IaaS, on pensait que c'était cool, et puis on se rend compte que c'est quelque chose qui assez rapidement va se faire abstraire par le PaaS et le SaaS, tout simplement parce que vous serez intéressé par où ça tourne, quel support est fourni, est-ce que c'est dans mon pays ou dans un autre pays pour des raisons légales, mais ça c'est quelque chose que le PaaS ou le SaaS, le fournisseur de PaaS ou SaaS peut vous dire et peut vous fournir des alternatives, mais c'est plus quelque chose que vous, vous allez gérer directement. Donc rejoignez le côté clair de la force. Mon conseil, c'est évidemment d'essayer CloudBees, mais en réalité, je vous conseillerais d'utiliser plusieurs PaaS, d'essayer plusieurs PaaS, goûtez-les, essayez de trouver votre propre chemin. Ils ont tous un petit peu des offres différentes et des façons de faire différentes, donc faites-vous vos propres religions. Et voilà. Encore un petit peu de pub, on a commencé un podcast en anglais, mais on a tous des accents très bizarres, donc le premier c'était sur Play et Groovy, donc on était les quatre avec un accent français, le deuxième c'est sur Engine Yard, donc deux Australiens, donc on va essayer de garder un maximum d'accent. Et puis si vous voulez offrir ça à votre patron parce que vous pensez que ça peut l'intéresser, vous pouvez aller sur cloudbees.com, il y a un livre Platform as a Service pour les nuls, et c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, et c'est une bonne façon de s'informer sur ce domaine. Voilà. Il y a une petite accélération à la fin là. Non mais en fait on a encore. On a encore 4 ou 5 minutes, donc je ne sais pas s'il y a des questions pour notre ami Sacha. Il y a des questions et des t-shirts à gagner. Oui, il y a des questions et des t-shirts à gagner. Donc celui qui pose une question a 15 t-shirts. Celui qui ne pose pas de questions aussi. A un t-shirt. Une question ? Non, c'était pour les 15 t-shirts. Ah, c'était pour offrir un t-shirt. Oui. Petite question sur ta vision 2020 au sujet de la consolidation en fait des différents fournisseurs et de l'apparition d'une norme sur le PAS. Ouais, je sais pas en fait. Je pense que il y a des efforts de standardisation en cours dans ce domaine. Donc c'est déjà le cas. On a déjà des vendeurs qui travaillent ensemble. L'aspect IE7, EE7, Java EE7 et travaille là-dessus également en partie. Je suis toujours un petit peu j'ai été un petit peu refroidi par Java II 1.4. C'est vrai qu'il y a eu il y a souvent des tendances à vouloir standardiser trop tôt.
Et le problème, c'est les CMP, donc ce genre de choses. Donc dans le cloud, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas, ça me paraît un peu tôt. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux standardiser les API au niveau des partenaires. Comment construire un écosystème? Ça permettrait d'accélérer l'adoption de PaaS. Donc ça veut dire qu'un fournisseur de base de données NoSQL avec une intégration sur une API pourrait être sur OpenShift, Cloud Foundry, Google, CloudBees, et ça permettrait d'accélérer l'adoption du PaaS. En tant que PaaS lui-même, je pense que notamment dans le monde Java, on est déjà bien standardisé, donc il n'y a pas énormément de contraintes aujourd'hui. En fait, juste pour mettre un petit peu d'eau à ce moulin, a priori Java E7 sortira dans un an. Il peut encore se passer des trucs, mais et moi je fais partie de l'expert group et j'ai pas vu tant de trucs que ça en fait. On parle de multi-tenant, donc ça voilà, c'est un peu le truc de base. Mais sauf si Oracle vient avec un truc là sur les quelques mois en fait à venir, il va pas se passer grand chose a priori sur IE7 et le cloud. Oracle, au début, voulait mettre une norme autour de ce qu'ils pensaient, eux, être le cloud, mais je crois que tout le monde a tellement freiné des cas de fer que Java E7, on va mettre quelques définitions, en fait. Le multi-tenant, ça, oui. Et puis, voilà, sauf si d'ici un an, il se passe un gros boom, mais je vois pas une grosse norme autour du cloud avec Java E7. Je pense que c'était ce qu'Oracle voulait. Mais c'est plutôt mal barré. D'autres questions? Pas de questions, pas de t-shirt, attention. Hein. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va aller au resto Le Vavin, comme d'hab. Sacha est là, puisque c'est notre invité, notre guest. Un sac en partant. Voilà. Oui, j'ai une feuille de pour tricher. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu l'interface CloudBees et vous montrer comment starter un projet très très rapidement. Donc quand vous êtes sur démarrer un projet très rapidement, quand vous êtes sur l'interface principale de CloudBees, vous avez vos répertoires, donc Subversion, Git ou Maven par exemple. Vous avez votre instance Jenkins et vous avez vos applications, bases de données, et également les autres services de l'écosystème. Alors on va rapidement aller voir certains de ces services. Donc ça, c'est sur la forge. Donc c'est pas GitHub hein, en termes d'interface et de sophistication. Ça fait juste du stockage de repo. Vous pouvez créer très rapidement des nouveaux répertoires. Donc rien de très sophistiqué. Jenkins, pour ceux qui savent utiliser, vous devez déjà connaître le fonctionnement. Vous avez une liste de jobs ici. Et puis, vous avez une liste des builds qui attendent d'être traités. Et ici, normalement, vous avez les listes des exécuteurs qui permettent de prendre ces builds. Ici, on n'a pas, tout simplement parce qu'on est dans le cloud. Donc, au fur et à mesure que vous allez créer des builds, vous aurez des machines qui vont dynamiquement se mettre dans Jenkins. Puis là, on a certaines des applications qui sont déployées sur cette instance. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement cloné un fichier, un répertoire, un projet tout bête. Et comme il est déjà tard, je vais sauter à la conclusion. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je peux créer un projet en créant un répertoire Git avec mon code, avec mon job Jenkins et mon application dans Run très rapidement. Alors là, je vais tricher. Je vais faire on a SDK qui s'appelle Biz. C'était très créatif de notre part. Et donc on fait un app create, on demande de créer une application. On lui dit qu'on veut faire du continuous deployment. Donc on veut le continuous deployment, c'est la capacité de déployer en continu depuis Jenkins en production. Et puis d'abord il serait bien que je le build probablement. Alors on va le builder peut-être d'abord. Hein. Voilà. Euh...
Alors c'est bien dommage. Vous pensez? Non, non, parce que j'avais déjà bidé. XWiki. Ouais, je sais pas ce qu'on va faire chez XWiki pour être tout à fait. Bill Sailor. Et j'aurais dû partir. Moi, bon, je sais pas. Est-ce que tu es dans le je suis pas dans mon répertoire. Voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, c'était pour vous montrer comment on fait. Voilà. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire là, simplement, donc, comme je l'ai dit avant, WizCD, je vais lui donner un nom à mon application. C'est Webinar, ça c'est le compte, voire plusieurs comptes. Et puis on va l'appeler Paris Jug. Voilà. Et donc, ce que cette chose va me faire, si je ne me plante pas une fois de plus, c'est elle va me créer un répertoire Git. Elle va me créer un job Jenkins, elle va me créer une application sur Run, et elle va intégrer le tout pour que les accès soient correctement mis et les jobs correctement créés. Voilà. Donc ce qui me revient ici, c'est que mon application est ParisJug, mon URL sur le web est celle-ci, mon repository va être celui-ci, et puis le job sur Jenkins va être celui-ci. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que si je vais déjà voir ici sur mon Jenkins, si je rafraîchis ici aussi, c'est que normalement, je dois trouver mon ParisJug. Voilà, il est ici, ParisJug. Il n'a pas encore été tourné, évidemment. Sur ma Forge, je devrais trouver mon ParisJug également. Ouais. Voilà, il est là. Et puis, mon application, pouf, ParisJug ici. Évidemment, elle est stoppée puisqu'il n'y a rien qui a été installé pour l'instant. Ensuite, ce que je vais simplement faire, si je lis mon bout de papier, voilà, je vais créer une target Git pour mon répertoire sur CloudBees, pouf, et puis je vais simplement faire un Git push sur mon répertoire, voilà, et il va prendre le projet que j'avais en local, que j'avais forké d'un GitHub, je crois. Il va le mettre sur mon repository sur CloudBees. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, si je vais sur mon Jenkins, voilà, on voit que le ParisJug a reçu sa notification. Il va être buildé. Et puis, on va voir un exécuteur qui va être dynamiquement attaché à mon instance Jenkins. Voilà, c'est le cas ici. Et qui va se faire builder sur mon Jenkins. Okay. Donc, en fait, moi j'ai pris un projet existant, j'ai simplement en 1000 lignes de comment demander de créer un environnement complet, j'ai mon répertoire Git qui est prêt, j'ai mon job qui build déjà, et puis j'ai mon application qui ne demande qu'à être tournée. Je pourrais vous montrer la configuration du job Jenkins si nécessaire. En gros, vous allez voir que ce qui va être fait, c'est des configurations relativement simples. Le répertoire Git, c'était donc ça c'est normal dans Jenkins, on indique une source. Ensuite, on indique simplement en cochant ici qu'on veut directement builder quand quelque chose est poussé sur la Forge CloudBees. Mais on pourrait également le faire avec un répertoire GitHub, si c'est ce que vous utilisez. Il n'y a pas de changement, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser CloudBees pour stocker votre code. Et puis après, on déploie simplement sur CloudBees à l'ID qu'on avait donné. On pourrait aussi activer Sonar, qui est intégré comme un service sur la plateforme, ou faire d'autres actions de ce type. Voilà. Alors lui, le build, il a réussi. Voilà. Donc si je rafraîchis maintenant mon run... Ouais, ça se rafraîchit pas tout seul. Voilà, mon instance est active. Hop.
et je me retrouve sur mon application compilée. Waouh. Et voilà.